Donc, dans le processus, là, nous donnons par exemple quelques exemples des solutions qui peuvent être adoptées. D'abord, un des problèmes fondamentaux que nous avons identifiés quand nous discutions des impacts de l'industrie extractive, c'est d'abord les impacts environnementaux. Et vous voyez que si on nommait ces impacts environnementaux, on ne pourra plus parler de développement durable parce qu'il ne pourra pas profiter effectivement aux générations actuelles et futures. Donc, quelle approche aurons-nous de ce problème? Quelles solutions proposons-nous? Vous avez vu, certains pays ont adopté le principe du pollueur-payeur, d'autres, c'est plutôt la réhabilitation au fur et à mesure, c'est-à-dire vous exploitez pour une distance donnée, vous réhabilitez en même temps. Donc, c'est l'ensemble de ces problèmes posés ainsi et leurs solutions qui devront constituer un peu ce qu'on appelle la politique. Et c'est exactement comme ça pour chaque point que nous voulons aborder, c'est de poser un problème et apporter des solutions. Mais le problème n'est pas qu'environnemental. Ici, c'est juste un exemple que nous avons donné, mais c'est la même chose qu'on pourrait appliquer sur l'indemnisation, sur le déplacement des communautés, sur l'utilisation de certaines formes de produits chimiques dans le secteur. Donc, tout ça doit être reflété dans la politique. Donc, on a donné ici juste un exemple pour l'environnement, parce que c'est à ce niveau-là qu'il y a, par exemple, un coût assez élevé de réhabilitation. Donc, c'est fondamental de voir tout cela. Alors, ensuite, il faut poser les problèmes en fonction des clusters. C'est ce qu'on appelle cluster les problèmes en thème. La question de l'environnement, la question de l'investissement, la question de sociale, la question de la recherche, la question de la gouvernance. Donc, ce sont des thèmes comme ça qui devraient être posés. Et pour chaque thématique, bien sûr, essayer d'analyser quels sont les problèmes qui se posent à ce niveau et quelles sont les solutions que nous, États ou nous, pays donnés, voulons apporter à ces problèmes-là. Donc, c'est un peu comme ça que ça... Cela marche en termes de processus si vous voulez élaborer une politique minière acceptée de tous. Alors, voici comment se présente le processus. Il faut d'abord tester sa politique minérale, tester son efficacité, son acceptabilité, et comment elle pourrait être mise en œuvre, c'est-à-dire de façon réaliste. Il faut examiner sa complétude, il faut voir comment les objectifs se complètent, préparer une sorte de matrice et voir quels sont les objectifs que vous avez traités ou sous-estimés avant d'aboutir, bien sûr, à une politique complète. Par exemple, il peut arriver qu'on élabore une politique sans se soucier des valeurs culturelles d'une communauté donnée. Donc, la politique reste muette à ce sujet-là. Vous verrez que certaines communautés vivent dans des zones où elles ont des valeurs culturelles, c'est-à-dire qui relève du culte, mais que la politique ou ceux qui ont élaboré la politique n'avaient pas pris en compte parce qu'ils ignorent effectivement ces réalités-là. Donc, il faut tester sa politique et voir un peu jusqu'où elle est consistante, c'est-à-dire elle est exhaustive ou elle reflète l'ensemble des préoccupations. La formulation de la stratégie, ici, elle explique comment la politique doit être réalisée. Parce qu'il faut, je l'ai dit, la politique, c'est aussi bien le quoi que le comment. Le comment, c'est-à-dire, c'est qui a participé, comment elle a été élaborée, c'est de quoi le processus, etc. Donc, ça, c'est fondamental. La politique à un niveau, peut-être la stratégie à un autre. Alors, donc, ça, c'est fondamental. Alors, quels sont les résultats politiques auxquels on peut s'attendre? D'abord, plusieurs stratégies pourront ressortir de la consultation que nous avons engagée lors de l'élaboration de la politique. Mais comme on l'avait dit, l'État reste le maître d'œuvre. Mais il n'y a pas que l'État qui agit dans ce secteur-là. Il y a le secteur privé qui va agir. Il y a la société civile de plus en plus parce que la gouvernance est devenue assez plus ouverte. Donc, c'est l'ensemble de ces acteurs-là réunis autour d'une table qui pourrait donner à une politique
bien sûr, sa souveraineté et sa légitimité. Donc, et ce n'est que par cette approche que le gouvernement renforce la confiance entre les acteurs, de sorte que chacun se retrouve là-dedans et que ses intérêts ne soient pas menacés. Donc, au cas contraire, nous aboutissons souvent à des sortes de conflits qui naissent de l'exploitation. Vous avez vu par le passé beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont connu des conflits dus tout simplement à l'exclusion de certaines communautés ou l'exclusion de certains groupes qui devraient normalement jouer un rôle important. Donc, la question de la gouvernance, qu'elle soit transparente, redevable, reste un élément essentiel quand on parle de politique minière d'un pays donné. Donc, ça, c'est fondamental. Je l'ai dit au début, c'est un secteur à enjeu. Un secteur à enjeu parce qu'il favorise beaucoup de flux financiers. Il peut favoriser une croissance économique. Il peut aussi favoriser des externalités négatives. Donc, l'ensemble de ces éléments, parfois, qui sont contradictoires, où il y a un choc même entre ces éléments-là, c'est là qu'il faudrait sortir cette intelligence d'une politique qui reflète une approche inclusive et participative. Donc, ce qui fait que finalement, pour qu'il y ait des résultats politiques bien avantageux de la pays, disons, de l'État qui accueille le projet minier, il faut naturellement garantir cette approche que nous venons d'évoquer tout à l'heure, où toutes les parties prenantes sont associées. Donc, un certain nombre de stratégies impliquent les stratégies de stabilisation des revenus, les stratégies de distribution des revenus aux citoyens, les stratégies d'industrialisation, mais aussi les stratégies de garantie de sécurité. Ça, c'est fondamental, parce que souvent, on a vu dans plusieurs pays, d'ailleurs en Afrique, où le partage des revenus n'a pas été équitable et n'a pas favorisé le développement local, alors que certaines communautés accueillent beaucoup plus de compagnies, mais elles continuent de sombrer dans la pauvreté. Il faut définir des stratégies visant à lier les programmes de responsabilité sociale des entreprises. Ça, c'est aussi c'est fondamental. Il y a des entreprises qui violent de façon manifeste les droits des populations et des communautés qui sont directement affectées par les opérations. Les stratégies d'introduction de systèmes de gestion, des stratégies pour la création d'indices de responsabilité, des stratégies pour créer un conseil comprenant des parties prenantes différentes afin de régler les problèmes liés à l'exploitation des ressources. Mais aussi des stratégies de lutte contre la corruption, parce que nous avions dit plus haut que c'est un secteur corruptogène où l'obtention des permis peut être susceptible d'approches parfois malsaines de la part de certains acteurs. Donc ça, c'est fondamental. Les questions environnementales restent aussi des objectifs clés ou des résultats clés à prendre en charge. Donc, comment mettre en œuvre cette politique-là? Une fois la politique adoptée, sa mise en œuvre est confiée, bien sûr, à un cadre institutionnel. Et généralement, c'est le ministère de tutelle du secteur. Et bien sûr, ça touche beaucoup d'autres cadres institutionnels. La question de la sécurité est confiée à ceux qui sont en charge de cela dans le pays, etc., etc. Mais retenons qu'une fois la politique adoptée, il faut lui attribuer un cadre institutionnel de mise en œuvre. Ça, c'est fondamental. Ensuite, la politique doit être suivie automatiquement d'un plan de mise en œuvre. La plupart de nos lois, vous verrez dans plusieurs secteurs, on a des lois, on adopte des conventions internationales, mais on n'a aucun plan de mise en œuvre, ce qui fait que on a la volonté, mais malheureusement, on ne définit pas le comment de la mise en œuvre de ces instruments-là. Donc, cela plombe naturellement l'effectivité de ces lois-là. Donc, le plan de mise en œuvre requiert effectivement que les mêmes intervenants qui étaient là lors de l'élaboration soient aussi impliqués.
C'est beaucoup d'actions qui sont requises quand il faut mettre en œuvre une politique minière. C'est d'abord, c'est peut-être c'est un rééquilibrage des attributions administratives, des priorités techniques, c'est des études complémentaires, c'est la modification de la législation qui existe. Vous avez vu, pour la plupart des pays qui ont récemment adopté des politiques, cela a fait appel à une révision de la loi qui existe, ou même la révision de la Constitution. Et beaucoup de constitutions qui ont été révisées récemment pour intégrer la dimension de la propriété des ressources ou pour attribuer la propriété des ressources au peuple. Donc, on a plusieurs exemples sur le cas du Sénégal en 2016, par exemple. Après la révision du Code minier, il y a eu la révision de la Constitution qui ont attribué désormais la propriété des ressources au peuple. Donc, cela peut nécessiter aussi l'élaboration de nouvelles lois. Si vous prenez toujours le cas du Sénégal, récemment, le Sénégal a adopté une loi sur le contenu local parce que l'orientation qu'il voulait avoir du contenu local nécessitait un nouveau cadre législatif. Donc, ça, c'est fondamental. Alors, il faut qu'on attribue les responsabilités aussi à des acteurs clairement identifiés et qu'on définisse un calendrier d'exécution. Ça, c'est fondamental quand on parle de plan de mise en œuvre. Donc, ce n'est que par ce cadre-là que, bien sûr, on pourra arriver à une bonne politique minière dans un pays donné, mais surtout à un bon plan de mise en œuvre et qui sera évalué ou audité de façon régulière pour voir son niveau de mise en œuvre afin d'apporter des réajustements s'il y a nécessité. Donc, le plan de mise en œuvre doit être daté et bien évalué en termes de budget pour voir au moins périodiquement comment on pourra l'évaluer et voir son efficacité. Et faire participer, bien sûr, divers acteurs pour rendre crédible cette évaluation-là. Et de plus en plus, il y a ce qu'on appelle l'évaluation par les pairs, et qui peut faire appel à d'autres mêmes compétences hors du pays qui est en cause. Alors, tout cela, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de pays par le passé qui ont été identifiés comme étant pays riches en ressources naturelles, mais qui n'ont pas pu bénéficier suffisamment de ces ressources-là. Le paradoxe de l'abondance dont on a parlé dans les précédents échanges. Ce qui fait que naturellement, la politique minière constitue à la limite un tableau de bord, un espace de cadrage pour pouvoir faire profiter à l'État de ces ressources-là. Donc, en résumé, pour élaborer un plan de mise en œuvre d'une politique minière, il faut naturellement se poser un certain nombre de questions, dont où en sommes-nous actuellement, où voulons-nous aller, comment allons-nous y arriver, et comment mesurer les progrès et les impacts que nous aurons à travers ces politiques. Donc, où en sommes-nous, état des lieux, où voulons-nous aller, c'est l'objectif, comment y arriver, c'est les moyens qu'il faut y mettre, comment mesurer, c'est le suivi évaluation, effectivement, de la politique minière. Donc ça, c'est fondamental au moment de mettre en œuvre notre politique minière ou politique minérale. Donc ça, il faut qu'il y ait des phases. C'est comme quand on gère un projet, c'est les mêmes approches, il n'y a pas de différence avec une équipe multidisciplinaire qui, chaque membre devra effectuer une mission clairement défini et rendra compte sur la base de cela. Donc, de façon opérationnelle, il faut définir des indicateurs de performance, c'est-à-dire, vous dites, si nous arrivons à tel nombre d'entreprises nationales qui aient profité des marchés d'approvisionnement du pays, c'est que nous aurons satisfait un tel objectif. Donc, c'est fondamental d'élaborer tout ce plan opérationnel-là avec des indicateurs clairs pour voir avec chaque niveau, où est-ce qu'on pourra se rendre compte qu'on a fait des progrès ou le contraire. Et effectivement, qu'il y ait la documentation de tous ces éléments-là, de sorte qu'on puisse inspirer
ou en tirer de leçons pour d'autres projets. Donc, ça, c'est fondamental. Il faudrait aussi auditer souvent la politique ou évaluer la politique. C'est à peu près la même chose. C'est pour entreprendre cette évaluation, il faut prendre en compte au moins un certain nombre d'éléments, dont la coordination, parce qu'il y a des exigences de coordination si on doit mettre en œuvre une politique ou une loi. Ensuite, quels sont les mécanismes de relation et de responsabilité pour la prise de décision? Est-ce que les zones qui sont concernées bénéficient de visites régulières de ces acteurs, notamment pour le contrôle et le suivi des opérations? Mais ensuite, c'est la performance et le contrôle de qualité qui doivent être au moins des éléments clés au moment d'auditer la capacité. Donc ça, c'est fondamental. Quels sont les produits qui ont été fournis? Quelles ont été les exigences des parties prenantes, que ce soit les opérateurs nationaux ou ministères ou organisations gouvernementales? Ensuite, c'est de voir jusqu'où les bénéficiaires ont reçu un avantage quelconque des produits qui ont été issus de l'exploitation. Et est-ce que cela a été satisfaisant pour répondre à leurs demandes? Donc, tout cela constitue des instruments utiles et nécessaires pour pouvoir évoluer ou évaluer du moins la capacité. Et il y a aussi des procédures et une sorte d'organisation qui implique de passer par les procédures opérationnelles parce que naturellement, il y a au moins des instruments qui encadrent ces procédures-là. C'est les procédures administratives, c'est les procédures financières, tout cela doit au moins être considéré. L'expérience du personnel, son niveau, sa qualité, je crois que tous ces éléments-là, une fois mobilisés et partagés à l'ensemble des acteurs, ce n'est que de cette manière-là qu'on se rendra que la gouvernance a été démocratique dans le secteur des ressources naturelles. Parce que la finalité, c'est ça, c'est d'arriver à une gouvernance démocratique des ressources naturelles. Et pour cela, il y a à divers niveaux des acteurs qui agissent. Ça peut être des organisations régionales ou continentales. Si vous prenez l'Afrique de façon générale, l'Union africaine dispose en son sein de quelques, disons, cadres institutionnels d'abord. C'est le Centre des ressources minérales, AMDC, African Mineral Development Center, c'est le Centre de développement des ressources minérales, qui a produit en 2009 ce qu'on appelle la vision minière africaine. La vision minière africaine, c'est à peu près un peu la politique minière au niveau africain, même si on ne peut pas forcément l'appeler politique minière de cette façon, mais elle donne les grandes orientations qui ont permis au moins d'adopter maintenant des politiques minières au niveau pays. Son objectif fondamentalement, c'est d'utiliser les ressources minérales pour favoriser le développement industriel et de transformer l'Afrique vers la modernisation et favoriser l'intégration aussi, et voir comment, à travers l'industrialisation, les matières premières pourraient être transformées au niveau local pour favoriser, bien sûr, des liens avec d'autres secteurs, favoriser l'emploi, favoriser le transfert des compétences et les infrastructures. Donc, c'est un peu ça l'approche de la vision minière africaine. Au niveau sous-régional, nous avons, au niveau des communautés économiques régionales, notamment la CEDEAO, où il y a eu beaucoup d'instruments adoptés ces dernières années, mais avant la CEDEAO aussi, il y a la FENSAD, qui a déjà comme plan d'intégrer, comment voir intégrer les autres secteurs tels que l'agriculture, l'industrie, tout ça dans le secteur des ressources naturelles, pour qu'il y ait au moins ce qu'on appelle ce lien. C'est de favoriser aujourd'hui une utilisation efficiente des ressources minérales de sorte qu'elles puissent alimenter d'autres secteurs. Au niveau de la CEDEAO, il y a eu un travail considérable qui a été effectué ces dernières années, ces 10 dernières années. D'abord, en 2009, la CEDEAO a élaboré ce qu'elle appelait
sa directive, la directive de la CEDEAO, visait beaucoup plus l'harmonisation des principes et des politiques dans le secteur minier. Donc, avec plusieurs objectifs qui ont été énoncés, mais la finalité, c'est de voir comment l'ensemble des pays devraient pouvoir avoir une vision à peu près harmonisée du secteur. Donc, ça, c'est fondamental. Et notamment sur plusieurs domaines, y compris l'acquisition des ressources dans l'État, l'occupation des terres, l'attribution des licences et des permis, les obligations environnementales, le cadre fiscal. C'était de voir un peu comment dans toute la région, on pourrait avoir à peu près les mêmes instruments de gouvernance pour éviter la compétition surtout ou la concurrence entre les différents pays de la même région. Après la directive en 2009, la CEDEAO a adopté ce qu'elle appelle sa politique minière commune en 2012. Et c'est de voir un peu quelle orientation donner de façon économique notamment à ce secteur des ressources naturelles. L'idée, c'est de permettre aussi aux États de s'inspirer de cet instrument-là pour pouvoir au moins développer leur politique nationale. Et déjà en 2019, la CEDEAO a abouti à l'élaboration d'une loi modèle. Parce que les deux précédents efforts, c'est-à-dire l'adoption de la directive et l'adoption de la politique, avaient pour, disons, finalité de préparer, on l'a dit plus haut, que si vous adoptez une nouvelle politique, nécessairement, ça peut appeler à l'élaboration ou la révision de certains instruments juridiques. Donc, naturellement, la CEDEAO s'est investie dans un processus d'élaboration d'une loi modèle dans le secteur extractif. Elle a été adoptée en juin 2019 et c'est un document qui, à peu près, donne des orientations majeures qui permettront à chaque, par exemple, État de la CEDEAO de pouvoir réviser ses instruments de sorte qu'ils puissent correspondre un peu à la loi supranationale. Mais on ne peut pas terminer sans mentionner aussi un autre instrument clé qui relève de l'espace ouest-africain, mais pas de la CEDEAO, c'est l'UEMOA. Vous savez qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous avons à côté de la CEDEAO, l'UEMOA, qui est l'Union économique monétaire ouest-africaine, qui dispose aussi d'un certain nombre d'instruments de gouvernance, y compris dans le secteur extractif. Donc, l'UEMOA dispose d'un code minier qui a été adopté en 2003 et qui est en cours de révision d'ailleurs. L'UEMOA dispose d'un code de transparence ou d'une directive de transparence qui a inspiré beaucoup de codes de transparence dans les pays membres. Donc, c'est les pays qui sont en partage de la monnaie CFA. Donc, voici un peu les quelques éléments que je voulais partager ici. Comme d'habitude, il y a des références qui nous ont permis d'élaborer ces instruments que nous avons partagés ici, ces quelques idées que nous avons partagées ici. Et vous pouvez les consulter pour pouvoir au moins approfondir votre compréhension et vos connaissances sur ce secteur. En termes de lecture, je vous recommande fortement de voir d'abord la vision minière africaine. Elle vous donne une idée claire de à quoi ressemble la vision de l'Union africaine du secteur extractif. Ensuite, dans vos pays respectifs, il y a souvent ces instruments qu'on appelle politique minière que vous pourrez consulter et vous donner une idée claire de qu'est-ce que votre État envisage de faire de ces ressources naturelles. La CEDEAO aussi en dispose, c'est sa directive de 2009, c'est sa politique de développement de 2012, et récemment, c'est sa loi modèle de gouvernance des ressources naturelles. Il y a d'autres aussi espaces où vous trouverez beaucoup de documents utiles, c'est notamment le forum intergouvernemental sur l'exploitation minière, ça s'appelle IGF, Intergovernmental Forum, qui fournit beaucoup de documents d'orientation sur ça. Je vous recommande, bien sûr, de consulter ces instruments-là. Ils pourront vous aider, et bien sûr, à mieux comprendre tous ces éléments que nous avons présentés tout à l'heure. Merci beaucoup et nous vous donnons rendez-vous tout à l'heure pour notre module portant notamment sur le cadre juridique, certainement, et qui vous
permettra de comprendre mieux ici ce qu'on a vu sur la politique minière dans le secteur extractif. Merci.